Minecraftien, ici c'est LB35 en compagnie de Jean-Sébastien et un autre zombie, Ben 13. On se retrouve sur MVO et ça faisait longtemps, on a arrêté de tourner pendant un petit moment et je pense que le rythme des vidéos s'en ressentira si jamais on arrive à revenir de l'île. Mais bon, normalement il n'y a pas trop de suspense, on commence à être plutôt bien. Et donc oh putain, les tanons d'armure. Heureusement que je suis moi aussi plutôt en forme niveau expérience. Non mais parce que là je veux dire, mon casque c'est comme s'il était déjà mort, je pense qu'en 3 coups il est cassé. C'est écrit normalement, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas écrit, qu'est-ce que tu crois? Bah quoi, t'as pas écrit l'étiquette sur ton casque? J'éconne, je suis drôle hein. Non, Ben 13 est fou, j'en ai marre de tous ces fous, tout le monde est fou, la vie est fou, le Japon est fou, les cookies sont fous. Ça va pas changer. Non, pas les cookies. Le Japon. Bordel, les minerais de fer! Ils sont. Y'a pas des blocs. Les lingots de fer, je sais pas. Moi j'ai plus un. Ça. Mais y'a plus de fer hein. Si tu veux, j'ai 14 de fer moi. Tu en veux combien? Ah bah oui, moi aussi. J'ai 14 de fer, mais brut, donc je vais le faire brûler. Y'a pas de. Ouais. Y'a pas un four quelque part, y'avait un four ici avant. Je vais les faire brûler. C'est là, là où je suis, là où je suis. Reviens là où je suis. Là tu vois, il y avait une porte. Ah les ouais. Portes c'est cool, on aime bien les portes. Ah mais c'est horrible ici. Mais c'est une petite cave. C'est pas moi qui l'a faite, hein, si vous voulez savoir. Moi je viens d'arriver en mode hey, je viens de revenir. Ok, un bloc avec des boutons. Un bloc avec des boutons. Alors, je sais pas d'où ça vient ça, je pense que Joris fait un peu de la merde hein, en ce moment. De quoi? Joris et Dungeon bossent en collaboration là-bas depuis tout à l'heure, ils nous ont dit de pas y aller. Et je pense oui, que là ils préparent plein d'électroniques qui font un peu tout là-dedans. Tu parles de quoi? De ce coffre chelou là? Ouais, le coffre chelou, mais ce qu'il y a dedans surtout. Ah, c'est moi qui l'a fait. Ouais, moi je vois ce qu'ils appellent un bloc de commande. Pourquoi pas. Tu viens? Je savais que ça existait, mais je croyais que. On pouvait le faire que dans les grandes industries, tout ça, et qu'il fallait énormément de ressources et de fric pour le faire. Après, on n'a plus de fer, donc. Tu viens? Oui, j'arrive. Oh non, t'es passé! Genre, il a traversé la porte! Mais non! C'est un monstre! Au secours! Bon, genre, allez! Mais j'ai pas allez, ma... prends j'ai ça et touche-toi avec! Mais j'ai déjà pris des flèches! Reprends-les! Mais moi, je veux ma pelle! Et moi, j'en ai énormément, hein. De pelle? Bah tu peux me filer non, une pelle. Je parle des flèches. Oui mais c'est là, pas je grave. Je suis en train de shooter un zombie en bas de l'escalier. Moi j'ai rien mais j'en ai pas besoin moi de flèches. On va aller dans le Nether aujourd'hui pour récupérer quelques bâtons de blaze manquants pour les constructions de Joris. Parce que je sais qu'ils en ont besoin. Oh, il les a espionnés malgré ce qu'ils ont dit. Ouais, un petit peu. Je supportais pas de pas savoir. Par contre, vous, je vous donne rien, hein, c'est la surprise. Bon, Ben. Oui. Ben, pointe-toi. Non. Et bon, vite. Cola, reviens ça là. C'est pas mes boules de neige. C'est pas marrant. Allez, direction l'enfer. Ça fait un peu con comme tu dis direction votre mort. Enfin, moi perso, j'aime bien. Un zombie. Attends. Un zombard, ok. T'as plus de casque. Ah bah oui, en effet, mince, j'ai oublié de réparer mon armure. Regarde un zombie. Voilà. J'ai oublié de réparer mon armure et en effet, ouais. Tu peux me passer du fer à l'état de lingot? Bah non, j'ai remis dans mon coffre. Bah reprends-le, connard. Non, je saute. Mais je me prends le moindre truc dans la gueule, mes pièces explosent en miettes. Bon. Je vais le faire, j'avais mis du four à cuire donc c'est pas un problème. J'avais mis du four à cuire, bonsoir. Moi je mets four à cuire. Tiens, j'en profitais pour baisser un petit peu ton rendu de d'outil navigation, de son de ton micro. Bah ouais, parce que si vous le savez pas, il est encore pété. Enfin, le micro surtout. Non, c'est. Enfin, là ta phrase, on l'a entendu moins fort la deuxième fois. Mais c'est mon outil de navigation qui enregistre moyennement bien. Qui enregistre un volume faible pour être très précis. Je crois que c'est pas moi. Et il est poussé au maximum, hein. J'ai vérifié la config et tout. Donc c'est pas de ma faute. Il a vérifié la config. Tuons-le. Comment ça, ça n'a rien à voir. Mec. Du quartz. Du quartz. J'aime bien le quartz. Avec un petit accent. Putain. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, par contre, j'ai tellement de trucs qui est inutile dans mon inventaire que... Bon, les poppies. Ils sont au nombre de 51.
Les fizzers, water bucket, rotate. Ah, les fizzers, si t'en as pas besoin, je les veux bien pour faire des fireworks. Des fireworks. Yahoo. Il a parlé d'un monstre vert. Oh mon dieu. Et voilà, il manque bipoil un lingot de fer pour me refaire un casque. La magie. Merci. Je souffre. Ça se voit pas, mais je souffre. Allez, on y retourne. J'ai pas fermé la deuxième porte, mince. Bon. Tu es où, Ben 13? Je me fais attaquer par un ghast. Enfin, par un truc qui s'appelle un ghast, surtout. Oui, bon, c'est un ghast, on peut le dire. Ah bon? D'accord. Ouais, on l'a eu dans le livre Afanax. Ouais, comme toujours. Parce que le livre Afanax, c'est ok, donc il y en a deux. Ce qui est moyennement cool. Oh, ok, je vois une boule de feu fusée par là, donc je pense savoir où tu es parti. Même. Parce que j'aime bien. J'aime bien manger des cookies. Ouais, je l'ai eu! Voilà. Ben 13, oui, j'ai pas entendu. La caméra a coupé, il y a eu un bug. Oui, tu dis. J'ai renvoyé sa boule avec ma flèche. Il se l'est pris dans la. Et il a un peu souffert. Et toi, tu es où? Moi, je suis quelque part, je sais pas vraiment où. Ah, dis-moi où tu es, merde, on a un outil de navigation, ça sert à quoi? À faire du. Non, mais je suis. Je bug. Ouais. Mon outil de navigation, il est encore cassé, je vois pas où je suis. Attends, je règle. Justin qui va vite, mais soleil le Ben 13. Bon, la forteresse. À l'assaut! Voilà, c'est bon, je l'ai réparé. Et bah, je suis en moins 56, à ce qui paraît. J'arrive pas trop à lire. Ouais, on est à peu près au même endroit. 20! 20 diesel. Ah bah, je vois des blocs différents que ce qu'on voit, quoi. Des blocs qui signalent un passage. Ce qui est cool. Ouais, moi, je suis à la forteresse, hein, sinon... Ah, t'es plus la forteresse de fer! De fer? Ah bon? Je croyais qu'elle était une pierre un peu sombre, mais je savais pas que c'était du fer. Hein. Non, c'est une référence à Dark Souls 2. Cool, j'aime bien les références. Surtout quand c'est des références à des jeux tellement durs que tous ceux qui l'ont essayé ont bouffé leur trip après avec du ketchup. Des tripes au ketchup. J'ai pas essayé, mais je connais sa réputation. Mais tripes au ketchup, c'est encore mieux. Surtout les siennes, pas les miennes, mais les okay. Siennes. Un grand couloir de lave. Oh, saloperie. Oh, il s'est pris une saloperie dans la tête. C'est pas pratique les saloperies, j'aime pas. J'active mon outil de navigation et son interface magique. Et je vais essayer de trouver des monstres friteux de Belgique. Des monstres friteux de Belgique à la taille. Attends, mais à cet endroit-là, il n'y avait pas un point d'apparition de monstres friteux de Belgique? Ça en a tout l'air. Ceci était la phrase la plus longue de la Terre. Non, la phrase la plus longue de la Terre, la phrase la plus longue que j'ai prononcée, elle devait faire quelque chose comme 50 mots. Attendez. Hop. Mon outil de navigation a fait des siennes et a commencé à faire une sonnerie. Pourquoi pas? Il veut pas le dire, mais il a ajouté une fonction téléphone sur son truc. Bah non, je capte pas. Il y a toujours une fonction téléphone de base, mais je capte pas. Ouais. Oh, un monstre friteux. Un monstre friteux. Un monstre qui mange des frites. Ah, non, un monstre qui a des frites à la place des bras. Oh, c'est quoi ce carnaval des horreurs là? Au moins quand il a faim, il sait ce qu'il a à faire. Donc le monstre friteux n'a pas donné de frites. Et par contre le monstre huileux m'a donné plein d'autres petits monstres huileux. Uh-huh. Et plein de mini monstres huileux là. Uh-huh. Bon, tant pis pour la houe, hein. On repassera à l'occasion. Il faut que je ramasse cette crème d'huile. Cette crème d'huile. Non, c'est cette crème qui a de fait feu, là. Un passage un peu pas très cool. Je sais pas, mais en tout cas moi je suis dans la forteresse donc je m'en fous. Ah, j'avais même pas vu comment j'ai fait pour ne pas le voir. Il a pas vu quelque chose. Oh mon dieu, il ne l'a pas vu. Ta gueule.
suis un peu pas trop assez paumé, mais ça va. Je suis la cobble, mais elle m'amène à un endroit assez loin. Ok, là je creuse dans le mur pour savoir jusqu'où va la forteresse de fer. D'accord, elle m'amène à un endroit assez très beaucoup loin en fait. Ah ! Ok, LM. Ok, LM. Boum. Et hop, un peu de challenge. Je me fous une citrouille sur la gueule. C'est pas bien ça. Bon, ça fait chier. Oh, deux monstres friteux là-bas. Est-ce que toi t'aimes bien la souffrance? Bon, je vais me rapprocher un peu pour le sniper. Moi j'aime bien. Pourquoi ils me donnent pas de frites? Parce qu'ils t'aiment pas. Et ils disent, oh lui il a l'air d'aimer les frites, on va pas lui en donner. Oh c'est des enculés en fait. Ouais, comme toi. Ben 13. Oui. T'as pas changé en fait. Oui. T'es toujours autant psychopathe, voire pire en fait. Oui. Avec tes histoires de survie là. Oui. Coucou Pigman. Coucou l'autre Pigman. Coucou la force magique donnée par la magie du quartz. Coucou la force magique donnée par la magie du quartz. Hashtag what the fuck. On t'a compte avec what the fuck. Parce que ça veut dire. Ah! Ça veut dire qu'est-ce que c'est que ce fuck? Oh. Je ne connais pas ce fuck. Ce fuck est nul. Ce fuck mérite de se faire manger. Hein? Merde! 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 Ah! Putain, je suis à l'agonie! Ah! C'est pas bien d'agoniser. Ah! Moi, j'aime pas. Ah! J'aime bien agoniser, j'aime bien agoniser. J'aime pas agoniser, mais j'aime bien voir les autres agoniser. Donc je vais laisser t'écouter sans te sauver, ça va être cool. Je suis aveugle. Enfin, c'est différent. C'est encore mieux. Je vois pas à 2 mètres. Je suis ultra faible. Ah, c'est encore mieux. Je vois pas devant moi. C'est ultra creepy, les couloirs. Les couloirs, ils me font peur, maman. Ah Oh mon dieu! Tu vois? Son dieu. Un wizard squelette m'a spawné à un bloc de moi à cause de ma lumière. Je l'ai tué. Ouais. Wizard squelette and skill, motherfucker! Ah! Un deuxième. Il a une tête. Bon, lui il a rien donné. Il a pas donné de tête. Oh mon dieu! Je vois plus rien. Ah, il faut que tu me sauves. Fais quelque chose. Mais j'arrive. Oh là là. Faut pas rigoler 2 secondes. Je suis à l'agonie, mec. Ouais, je sais. Pourquoi c'est lui qui vient? Pourquoi à chaque fois que je suis dans la merde, faut que ce soit lui? Parce que j'ai la chance de la malchance. Ça paraît pas logique, mais ça l'est. Si on prend la. Non, plus rien à foutre! Aïe! Ah, il souffre! Ah! Je sais pas si je vais l'aider en fait. Je vais l'aider ou pas? Je vais crever, mec! Je peux à peine bouger! Ouais, je sais, tu me l'as déjà dit. Hein? Ils sont partout! Et ça, je le sais maintenant. Ah! Je suis pas loin. Je retrouve le chemin. Enfin, je crois. Ah oui, si, Balak. C'est ça. Aïe! Ah mais c'est bon, je suis arrivé. Putain. Je suis là. Ah, je vais tomber dans les pommes. Ah lui ça va, je t'ai sauvé. Je me disais que fallait pas te faire souffrir. Parce que c'est pas bien la souffrance. Non, je déconne, ah, c'est trop cool la souffrance. Bon, enfin, je me casse. Alors, enfoiré! Tu m'as sauvé la vie. Oui, je t'ai sauvé la vie. Je suis resté dans le coma combien de temps?
J'ai attendu devant toi, tu regardais à peu près 20 minutes. Ok. Ouais. C'est peut-être un peu plus, hein. Je suis pas sûr. Putain. T'arrêtes de casser mes trucs. J'aurais pu crever, imbécile. Je vais peut-être faire un infarctus en fait. Mais il faut que je me tape les nerfs sur quelque chose. Je me sens quand même en vachement super forme. Cool. Je viens de buter. Ah bah non, un pas cool. Je veux dire, non, en fait, c'est pas cool que tu sois en super forme. Va te faire enculer, Ben 13. Merci pour ce gentil compliment. Je me trompe pas, hein, c'était un compliment. T'es quelqu'un de très bizarre si tu considères ça comme un compliment. Ouais, je sais. Bon, de toute façon, on sait que de base, tu es quelqu'un de très bizarre, donc au pire... Je sais aussi. Alors, de la coolitude, c'est cool. Bon, pour la fin de l'épisode, on va se balader. Bah, en fait, Creeper balader. Ça te fait pousser des cris? De peur, ouais. J'adore cette blague. Je crois que je la ferai tout le temps. Après tout, c'est ce qui m'a donné de trouver le nom du Creeper, et je crois que t'as un jeu flappé ça comme ça aussi avant que je trouve le jeu de mots. Donc ça se trouve, je sais pas en fait, au début, t'as un jeu a dit que c'était des Creepers plongeurs qui avaient fait tomber ici, donc ça s'appelait déjà des Creepers. Après, moi j'ai trouvé ça, j'ai poussé un Creeper, j'ai pensé Creeper, puis j'avais pas fait le lien dans ma tête. C'est particulier quoi. Tu tournes pas là. Charge mon arc à mort, et boum, plus de poulet. Charge mon arc à mort. Et boum, un poulpe en moins. Yeah. Et de deux. Ça va la et vie, deux, tout ça? Tu te sens pas seul dans ta vie? Ben, je suis en train de buter tout ce qui est à côté de moi, donc au pire. Au pire, t'as pas un poil de redstone à me filer? Non. Y'en a dans les coffres. Je cherche parce que je trouve pas de la redstone, mais je suis loin de la base. J'ai ça. Mais ce qu'il me faut, c'est pas ça, c'est la redstone qu'il me faut. Ah, la MC4 mine. I'll mine. Every day. Ah, c'est grand quand lancé. Même, hein. Je sais pas si t'as un jeu fait trouver encore tes ressources là-dedans, mais. Je pense pas. En tout cas, je lui souhaite un bon courage, hein. C'est vachement grand. Il a fait un truc de canne à sucre lui aussi, mais ça sert plus à rien la canne à sucre, on en a même plus besoin. Ça dépend. T'as combien de level? Ça dépend canne à quoi? Canne à sucre. La vidéo est toute petite, on peut dire. Parce que je connais certains membres de la team qui n'auraient absolument aucun remords à élever un autre genre de canard. Ah, de canard, ouais. Alors. Elle est où la mine? Je sais même plus. Elle est pas loin de moi. Non. Sans blague. Bon bah je vais rentrer chez moi. Après on est sorti, ça fait une petite balade de santé. Tout gentil. Certes. J'ai une idée, si on trouvait quelqu'un, si on trouvait la base à quelqu'un. Je viens de massacrer mon outil de navigation. Pour le fun. Oui, je sais, j'ai entendu. Je suis en train de faire de l'alpinisme à haut niveau. Sachant que c'est ici que j'ai failli crever une fois. Ah. En fait, t'as failli crever un peu partout. Oui, c'est pas faux. J'étais passé sur ce truc là. Et je suis tombé comme une merde. Alors que le saut était pas compliqué. Je suis en train de poser de la cobble partout sur la montagne. C'est trop beau. C'est trop bon la cobble. Oh, moi je suis bête. L'arbre géant qui domine tout. Qui domine le monde. Ta ta ta. Oh, il y a une jolie plage par là. Vraiment. Il y a des citrouilles en plus, t'as vu? Oh, des champignons. Des champignons géants. Pas de problème, fais comme chez toi. Des champignons géants. Et si tu les cassais? Ouais, ils sont vachement loin quand même. Bah ouais, si tu dis qu'ils sont géants. C'est immense. Je te crois.
Par contre, ouais, c'est trop loin pour toucher l'eau là. Je suis obligé de me casser un petit peu la gueule. Je vais être obligé de me casser la gueule. Ah merde. Bon, bah, c'est la loose. Là où je croyais que j'étais prêt, c'était toujours pas bon en fait. Et n'importe quel newbie l'aurait su. Hein. Pourquoi t'as sauté de la falaise? Je sais pas, moi, parce que j'avais envie, peut-être. D'accord. Je suis en train de bouffer, de boire à mort là, je suis assoiffé et affamé. Hein? Vous avez entendu les enfants? Il est assoiffé et affamé. Plus maintenant, je viens de bouffer 10 carottes d'affilée et bu une vingtaine de fioles d'eau. Ok, bah il avait très soif et il avait un peu faim. Ceci est la morale de l'histoire. Ah, mais je me souviens, j'étais passé par là. Au moment où Elda Emond avait fait de la musique avec son outil de navigation. La musique qu'il avait fait, c'était un truc du genre banana, banana, banana. Tiens, Geoff, Ben 13. Oui. Dans 5 minutes maximum, il va pleuvoir. Mais ouais, putain, Ben 13! Ouais. Ben, je sais pas là, il y a des limites. Quoi? Je m'en doutais. Quoi? Il pleut. Quoi? Ah, cool. Ok. Bon. Ben, je sais pas quand il va s'arrêter de pleuvoir, mais il arrête de chanter en tout cas. Maintenant, c'est un ordre. On va se rendre. Non, ta gueule, par pitié. Ta gueule, par... Non, ta gueule, ferme ta putain de gueule. Faut qu'il s'arrête de te voir. Non mais putain, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je coupe la com? Ah, il s'est arrêté de pleuvoir. C'est bon, tu te tais? Oui. Allez, on continue. Ouais, pas intérêt. Ah bon, et qu'est-ce que tu fais? Ben... J'utilise des méga techniques qu'on avait appris en cours de boxe il y a quelques mois. Cool. J'aime bien. Que tu maîtrises 100 fois mieux que moi et que tu m'enverrais à la gueule immédiatement. Bon. Ça aussi, j'aime bien. Épisode 7 Arnaise, les amis. On va buter sauvagement un lapin parce qu'on est des gros psychopathes et on va se dire au revoir. J'aime bien tuer des lapins. Ok, j'en ai one shot un, j'en ai one shot un deuxième et un troisième. Et je crois qu'on va arrêter le carnage ici. J'espère que c'était... J'ai un masque. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je me suis surpris moi-même. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le tourner. Même attends, si j'ai un petit peu morflé ma raf. Ma raf. Ma raf. Surprise ! Ferme-la, j'ai une surprise, faut que tu viennes. Bah, sauf que je suis vachement loin. Je m'en fous. Que mon rien. Outil de navigation m'indique. M'indique que je suis en moins 148. 580. Ah, ça va, t'es pas trop loin. Moi, il dit 140, 380. Ouais, tu vois, c'est complètement par là, sur 500, 600 blocs. Cool. C'est juste pas possible que j'y atteigne avant la fin de l'épisode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse, on va s'y rendre sans la caméra. Et à tout de suite. Et nous y voici. Alors, donc, quelle est la surprise, motherfucker? C'est quoi tous ces bruits de poulet? Oh, 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 oh. La caméra qui fait des siennes. Qu'est-ce que... Ben 13? Ben 13. Ben 13! Oh, oh, Ben! Il dit plus rien, il est devenu muet. Wow. Ah non, la communication s'est rompue. Bon bah tant pis. On va arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas tant pis pour la surprise. Hein. On a eu un petit problème technique. Il fait des ronds. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et donc sur ce je vous dis au revoir. C'était Cell Bay. Et pas Michael Bay.